Esprit de Dieu. C'est ton moment. Je veux te dire merci. Je veux te dire sincèrement merci. I want to say thanks to you. Louange à toi, Saint-Esprit. Nous savons, Saint-Esprit, tonight we know Holy Spirit, que tu vas agir avec force et puissance. That you're going to act with strength and power. Car c'est le grand jour, Saint-Esprit. Because it's a great day, Holy Spirit. Le jour de ton miracle pour chacun. The day of your miracle for everybody. Frères et sœurs, nous levons la main. Brothers and sisters, you raise your hands. Il y a une onction qui plane. Là. There is an anointing that's moving. Il faut qu'elle descende sur toi. It has to come upon you. Tu dois être la piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Tu es puissant. You're powerful. Tu accordes la grâce de Dieu. You give the grace of God. Et nous voulons te dire merci, Saint-Esprit de Dieu. And we want to say thanks to your Holy Spirit of God. Vous voyez ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. You see those who listen to us. Tu es concerné aussi par cette grande prière que je suis en train de faire this maintenant. This prayer is also for you. Le Saint-Esprit est en train de descendre. The Holy Spirit is coming down. Il y a 50 personnes dans notre 50 assemblée. 50 people here. Tu es visité par le Saint-Esprit. You are being visited by the Holy Spirit. Tu es visité par le Saint-Esprit. You are visited by the Holy Spirit. Dieu veut construire quelque chose avec toi. God wants to build something with you. Dieu dit tu n'es pas seul. God says you're not alone. J'ai toujours été dans ta vie. I've always been in your life. Et je vais prier pour ces personnes, frères et sœurs. And I'm going to pray for those people, brothers and sisters. Le Saint-Esprit de Dieu. The Holy Spirit of God. Le Saint-Esprit de Dieu. The Holy Spirit of God. Depuis toujours. Forever. A travaillé secrètement avec toi. Has been working with you secretly. Et là maintenant. And now. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, veut déployer toute sa puissance en toi. Wants to deploy all his power in you. Les choses seront plus comme avant. Things will never be the same. Et nous bénissons le nom de Dieu. And we bless the name of God. Nous bénissons le Saint-Esprit de Dieu. We bless the Holy Spirit of God. Que ces personnes arrivent ici rapidement. Bring those people here fast. Je vais prier pour elles. I want to pray for them. Vous vous alignez. Dieu vous connaît. God knows you. Sa main est sur vous. His hand is upon you. Je dis sa main est sur vous. I say his hand is upon you. Le Saint-Esprit de Dieu. The Holy Spirit of God. Le Saint-Esprit de Dieu. The Holy Spirit of God. Je dis le Saint-Esprit de Dieu. I say the Holy Spirit of God. Est sur vous. Is upon you. Oh, merci. Fera quelque chose. God is going to do something. Dieu fera quelque chose. God is going to do something. Sa puissance miraculeuse. His miraculous power est en train de vous toucher. Levez la main, recevez. You raise your hands and receive. Recevez cette onction receive de Dieu. This anointing of God. Oh, Kailosko Yashinda Baho. Recevez cette grâce. Receive this grace. La puissance de Dieu. The power of God. Elle agit en toi. It's acting in you. La grâce de the Dieu. The grace of God. Se manifeste maintenant. Is getting manifested now. Tout ce qui était comme barrière. Everything which was like a barrier. Va partir. It's going to go away. Frères et sœurs, nous levons la main vers nos frères. Brothers and sisters, raise your hands. La puissance de Dieu est en train de vous prendre. It's touching you. Laissez-les. Let them. Aidez-les simplement. Only help them. Stabilisez-les simplement. Mais ne prenez pas leur onction. Do not take the anointing. Père! Father! Que ta puissance vous les calmez ce May your power, Père, Father, que ta puissance miraculeuse, May your miraculous power, soit sur tes enfants. Be upon your children. Vous recevez. You're receiving. Vous recevez l'onction. You're receiving the anointing. Vous recevez la puissance. You're receiving the anointing. Vous recevez la puissance de You're Dieu. Receiving the power. Vous recevez la puissance de Dieu. You're receiving the power of God.
Dieu va construire avec toi. God is going to build something with you. Dieu va travailler avec toi. God is going to work with you. Tu n'es pas seul. You're not alone. Tu n'es pas seul. You're not alone. Père. Father. Père. Father. Père. Father. Que ta puissance. May your power. Que ta puissance agisse. May your power act. Nous te bénissons. And we bless you. Béni soit ton nom, Seigneur. We bless your name, Holy Spirit. Enlevez ses bras sur ses oreilles. Remove her hands upon her ears. Et la parole de Dieu pour toi aussi. The word of God is also for you. Tu entends ce que Dieu dit. You hear what God is saying. Dieu fera des grandes choses avec toi. God says there's great things for you. Nous bénissons ton nom. Nous pouvons acclamer le Saint-Esprit. Le surnaturel deviendra ton naturel. The supernatural is going to become your natural. Frères et sœurs, nous devons apprendre à marcher en enfant de Dieu. Brothers and sisters, we need to know how to walk like a children of God. Quelle que soit notre nationalité, no matter the nationality, nous avons une grande citoyenneté. We have a citizenship that's greater. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. We are the citizens of the kingdom of God. Et la Bible nous parle de deux naissances. And the Bible talks about the two births. Une naissance selon la chair. One according to the flesh. Qui nous introduit dans une famille. That introduces us to the family. Dans une région. In a region. Dans un pays. In a country. Et une autre naissance. And another birth. Qui nous introduit. That introduces us. Dans le royaume de Dieu. In the kingdom of God. Jésus a dit à Nicodème. Jesus told to Nicodem. Tu dois naître de nouveau. You're going to be born again. Tu dois naître de nouveau. You need to be born again. Et Nicodème regardait so Nicodem Jésus. Was looking at Jesus. Il ne comprenait pas grand chose. He didn't understand anything at all. Il dit, mais je suis déjà vieux. So he says, I'm already old. Je suis déjà vieux. I'm already old. Mais comment je peux naître de nouveau? So how am I going to be able to be born again? Jésus dit, tu And es Jesus says, docteur. You are a doctor. Tu es un savant. You're a servant. Tu es un grand religieux. You're a great religious man. Et tu ne sais pas ces choses. And you don't know those things. Frères et sœurs, la nouvelle naissance. Brother and sister, the new birth. Nous fait naître dans la vie de Dieu. Make us be born again the life of God. C'est-à-dire, nous naissons de la vie de Dieu. So we come to life in the life of God. C'est-à-dire, la vie de Dieu entre nous. The life of God enters in us. Et quand la vie de Dieu entre nous. So when that life enters in us. La possibilité du surnaturel est en nous. The possibility of the supernatural is with us. Normalement, par le Saint-Esprit, Normally, through the Holy Spirit, nous ne pouvons plus voir les choses comme avant. We cannot see the things that they were before. La Bible nous dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, the Bible says all the people that are in Jesus Christ, sont devenus une nouvelle création. Have become a new creation. Les choses anciennes sont passées. The old things are gone. Et voici que toutes choses deviennent nouvelles. So everything becomes new again. Frère et sœur, tu n'es pas différent de Paul. Brother and sister, you're not different from Paul. Tu n'es pas différent de Pierre. You're not different from Peter. Tu n'es pas différent de Jean. You're not different from John. Tu n'es pas différent de Jacques. You're not different from Jake. Mais eux, But them, ils savaient. They knew. C'était ce que Dieu voulait dire. What it means when God says. Quand il parlait de la nouvelle naissance. When he talks about the new birth. C'est une expérience forte. It is an experience that's strong. Une expérience tangible de Dieu. A powerful experience of God. Qui transforme notre vie. Which transforms our life. Qui impacte notre vie. Which impacts our life. Et qui nous donne une puissance d'impactation. That gives us a power of impaction. Et qui nous fait appeler les choses. That makes us call things. Autrement. Otherly. Qui nous fait voir les choses autrement. Makes us see things otherly. Les chrétiens que vous voyez, Christians that you see, qui vivent dans le miraculeux, je dis bien they le miraculeux, live in the miraculous, c'est ceux qui ont compris that those people understood, qu'ils ne sont plus la même personne. They are not the same person anymore.